Et salut les louloutes, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, petit podcast pour vous montrer que le blog est devenu social dans la nuit, c'est-à-dire qu'on a fait une intégration un peu plus poussée que précédemment, une intégration de tout court parce qu'il n'y en avait pas, avec le réseau social Facebook par exemple. Alors, le blog est devenu un peu plus social, oui, c'est bien, comme ça, ça vous permettra tout simplement de partager différents articles sur le net, de dire à vos petits amis sur Facebook que vous kiffez un article, etc. Moi, et évidemment, il faut que j'y trouve mon compte, c'est tout simplement pour faire connaître un petit peu plus le site, etc. J'en profite rapidement pour vous montrer qu'ici, maintenant, il y a de la place, on va pouvoir faire des soirées de tarés, c'est pour ça que je commence à tourner à l'en bas. Hop, vous êtes ici, coucou, c'est mignon. On va monter dans la piole, tala tala, au bureau, histoire de vous montrer un petit peu tout ceci. La chambre ici avec le lit pas fait, comme ça vous visitez aussi en même temps, il y en a plein qui m'ont dit que vous vouliez visiter, mise au point, et donc le bureau avec tout le bordel, et le petit iMac, donc le petit iMac qui lui va nous servir à vous montrer que le blog est devenu social. Donc quoi de beau, quoi de neuf? Déjà, la page Facebook du blog est de retour. Pourquoi? Parce que je reçois pas mal de petits mails de personnes qui me disent oui, c'était quand même bien quand il y avait la page Facebook, sur Twitter également, et que ça permet de distinguer un petit peu sur Facebook entre ce que je mets sur mon profil perso tout simplement, qui est juste ici, pouf, et ce que je mets sur mon profil, sur le profil du blog qui est ici et auquel tout le monde peut avoir accès. Puisque sur le profil perso, il y a des trucs qui sont perso, donc tout le monde n'y a pas accès. Donc là, du coup, ça me permet de pouvoir partager, d'avoir un petit rapport privilégié avec vous. Donc la page du blog est arrivée hier. Donc il y a des petits statuts, il y a des gens qui commentent, il y a un mini micro forum qui est en train de se mettre en place dans la discussion, les gens qui papotent entre eux, qui se posent des questions, qui répondent, etc. Ça a été créé hier, il y a déjà 18 publications ici, 8 là, un message, bon lui il est tout seul, 10 publications, 5 publications, etc. Je pense qu'à terme ça peut être un truc très sympa, une alternative sérieuse à un forum. Les infos du blog, tout simplement, vous les connaissez plus ou moins, et le mur avec tout ceci. Je voulais savoir si vous vouliez qu'on mette les photos, les vidéos en plus sur la page, ce que je fais sur ma page perso. En réalité, on va tout simplement mettre les liens. Quand je pose un nouveau podcast, je vous mettrai le lien pour aller vers YouTube. Vous pouvez le lire directement depuis ici si vous le désirez, mais vous avez également le lien pour YouTube. Pour les photos Flickr, on verra comment on fait, si je vous mets un lien aussi ou pas. Apparemment, c'est ce qui vous tenterait. Donc, la nouvelle page Facebook est ici. Je vous attends nombreux, puisque vous étiez nombreux au moment où je l'ai supprimé, parce que ça partait un petit peu en sucette et il y avait des insultes. Toujours pareil, parce qu'il y a des gens qui font chier. Donc là, c'est une page maintenant et non plus un groupe fan ou je sais plus qu'est-ce que c'était à l'époque. Donc du coup, je peux réellement modérer les personnes qui sont dessus et dégager ceux qui font chier. Enfin, faire chier égale insulter les autres. Après, du moment que c'est de dire que Locan est un gros con, ça va, j'ai l'habitude. Ça, c'est mon truc perso, on s'en fout. Clac, clac. Donc le blog, qu'est-ce qui y arrive là maintenant dessus? Il y a tout simplement le petit widget Facebook, le groupe sur le côté. Et en bas de chaque article maintenant vous avez le petit j'aime ici, et qui est donc également ici en fin de chaque article. Putain, j'aime trop l'effet fisheye que c'est en train de mettre à la vidéo, ça me fait trop marrer. Et également, donc pardon, puisqu'on est en bas de page, ici, donc partout sur tous les articles maintenant vous avez donc les petites notes en bas là, clac, vous pouvez noter les articles et vous pouvez dire que vous aimez, et ça mettra un petit lien je crois sur votre Facebook si j'ai bien perçu le truc. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ceci? Rien du tout, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Dick, je vous en avais parlé, je suis en train de le voir dans les barres d'anglais. Non, rien de bien passionnant, rien de bien extraordinaire, rien de bien supplémentaire à cette petite vidéo. On va donc être un peu plus social et discuter plus ensemble via les discussions sur le groupe du... sur le groupe de la page Facebook, sur la page Facebook, tout simplement, discuter un peu plus ensemble sur la page Facebook. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Plein de petites choses sympas. Il y aura du contenu sûrement qui sera sur Facebook et qui sera pas sur Twitter. Il y a des chances, du coup, que les concours puissent se faire via la page Facebook et non pas via un compte Twitter, puisque je pense que plus de monde a Facebook que de monde a Twitter.
À voir comment on organise tout ça un petit peu, mais ça va devenir une bonne alternative à Twitter. Twitter est en limite à 140 caractères. Sur le groupe Facebook, il y a des chances que je puisse partager des trucs que je ne peux pas faire pour le moment, ou vous mettre des petites pensées philosophiques qui m'éviteraient de faire un billet AirNote. Les billets AirNote, souvenez-vous, c'est les billets qui sont faits à l'arrache sur le MacBook Air, pour vous partager des petits liens ou quoi que ce soit. Si c'est juste comme ça de temps en temps, la page Facebook pourrait servir à ça. On verra encore, c'est pas bien déterminé. Là, c'est plus pour pouvoir tous se retrouver, refaire une petite communauté et partager des discussions, etc. Mini micro-forum sur Facebook. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Moi, j'ai un petit technicien qui va se pointer dans pas longtemps pour faire augmenter mon débit fibre chez Numéricable. Merci à Numéricable. Et donc du coup, je vous dis à très vite avec encore plus de patates puissance fibre pour vous envoyer du gros, du lourd, du podcast à 1080p. C'était Logan pour Logan.fr. Passez une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Il fait beau ici, on va le faire du vélo. Ciao, ciao.